Né d'une réflexion de parents et d'assistantes maternelles sur la relation parents-enfants, le premier forum Grandir Ensemble a réuni à Brouckerque le week-end dernier 33 intervenants qui gravitent autour de cet univers dont nous faisons tous partie, à un moment ou à un autre, celui d'enfants et d'adultes. Un forum pour aborder, expliquer, échanger sur la bienveillance enfant-adulte. La bienveillance, c'est pas seulement faire attention à ce que les enfants soient bien, c'est qu'on soit bien ensemble. Voilà, d'où le nom du forum, Grandir Ensemble. Beaucoup de jeux et d'occasions de jouer étaient proposés sur les deux jours du forum, car si c'est dans la relation à l'autre que l'enfant se construit, le jeu est un excellent outil. Il permet à l'enfant d'explorer des possibilités, de développer des compétences, d'échanger sur le mode égalitaire. Le jeu est un espace de rencontre intergénérationnelle privilégié. Et c'est un des meilleurs moyens d'entrer dans l'univers d'un enfant, en fait, c'est de partager ses jeux. C'est d'abord de l'observer, de voir un petit peu ce qui l'attire. Et à partir de là, c'est beaucoup plus simple d'être en interaction et d'être en lien, d'être en communication. Donc oui, il y a beaucoup d'espaces de jeu. On en voit justement un derrière moi, le Café des Enfants, qui propose du jeu libre et plein de choses. Le forum proposait aussi toute une panoplie d'activités et de rencontres. On a pu proposer des ateliers de massage, des ateliers de lecture, des animations, des conférences. Et les conférences sont là pour apporter des informations, pour répondre aussi à des interrogations et pour essayer de trouver des pistes de réponse. Donc c'est juste chacun trouver sa façon d'être en lien le mieux possible avec ses enfants. Et pas seulement les parents, tout adulte avec les enfants. Pour mettre en place cet événement, c'est toute une équipe qui s'est mise au travail et Sandy Winans nous la présente. Donc, l'équipe qui est à l'origine de ce forum, la maison d'assistante maternelle avec mes collègues Karen Caron, Elodie Couvrard, moi-même et Sandrine Dezaguer qui nous a donné un sacré coup de main dans l'organisation du projet. Ce forum s'appelle Grandir Ensemble et c'est important de dire que c'est un projet d'équipe et qu'on l'a construit ensemble. C'était la première édition de ce forum Grandir Ensemble qui a tenté pendant deux jours d'apporter des réponses, mûrir une réflexion sur le mieux vivre ensemble. J'aime bien cette expression de semer des graines et de laisser germer. On peut venir chercher ça et certainement trouver ça ici, c'est certain. Gageons que les premières graines sont semées et qu'une nouvelle édition de ce forum, par exemple l'année prochaine, permettrait une belle récolte pour qui voudrait, par curiosité de l'expérience ou par nécessité, développer ce mode nouveau d'éducation bienveillante.